Je vois un arbre immense. Et je sais que si j'attrape la première branche, je me hisserai jusqu'à la cime. Et je monterai encore. Je suis sur une colonne, je rêve d'une colonne et je n'arrive pas à tomber, je n'arrive pas. Je me hisserai jusqu'à la cime. Tout à coup, je tombe. Et je monterai. Je suis dans la boue. Encore. C'est que de la boue. Nous n'avons qu'à dormir sur 9 fleurs de la Saint-Jean ce soir. Nos rêves se réaliseront, mademoiselle. En fait, voir ce que vous avez dans l'œil. Non, c'est rien. Un grain de poussière, ça va passer tout de suite. C'est la manche de mon manteau qui vous a effleuré. Asseyez-vous, je vais vous soigner. Voilà, c'est parti. Maintenant, baisez-moi la main et remerciez-moi. Mademoiselle Julie, écoutez-moi. Ce soir, c'est la Saint-Jean. Et voulez-vous m'écouter ? Baisez-moi la main d'abord. Écoutez-moi. Baisez-moi la main d'abord. Bon, mais ne vous en prenez qu'à vous-même. De quoi ? Êtes-vous encore une enfant à 25 ans ? Ne savez-vous pas qu'il est dangereux de jouer avec le feu ? Pas pour moi. Je suis assurée. Non. Vous ne l'êtes pas. Et même si vous l'êtes, il y a des produits inflammables dans le voisinage. Vous voulez dire vous ? Oui, mais pas parce que je... Pas parce que c'est moi, mais parce que je suis un homme, jeune. D'aspect avantageux. Quelle incroyable fatuité. Un Don Juan, peut-être. Sur mon âme, je crois bien que c'est un Joseph. Vous croyez ? Pour un peu, j'en aurais peur. C'est sérieux ou c'est une plaisanterie, là ? C'est sérieux. Alors tout à l'heure, c'était sérieux aussi ? Vous jouez trop sérieusement, c'est cela qui est dangereux. Maintenant, je suis fatigué de jouer. Je vous prie de m'excuser si je retourne à mon travail. Le comte attend ses bottes et il est bientôt midi passé. Laissez ses bottes ! Non, je me suis engagé à remplir ce travail. En revanche, je ne me suis pas engagé à être votre camarade de jeu. Et je ne le pourrai jamais, je me tiens pour trop bon pour cela. N'avez-vous jamais aimé ? Nous ne nous servons pas de ce mot. J'ai eu de l'affection pour beaucoup de filles. Et un jour, j'ai été malade de ne pas pouvoir avoir celle que je voulais. Malade. Comme les princes dans les contes des mille et une nuits, qui par amour n'étaient plus capables de boire ou de manger. Qui était-ce ? Vous ne pouvez pas me forcer à le dire. Si je vous le demandais comme une égale, comme une... amie, qui était-ce ? C'était vous. N'importe quoi. Si vous voulez ! Oui ! C'était ridicule ! Savez-vous de quoi le monde a l'air vu d'en bas ? Non ! Vous ne savez pas. C'est comme les éperviers et les faucons, dont on ne voit jamais le dos parce que la plupart du temps, ils planent là-haut. Je vivais dans une chemine avec mes 7 frères et sœurs et un cochon qui lui vivait dans le jardin gris où il ne poussait aucun arbre. Mais de la fenêtre, je voyais le jardin du comte et des pommiers qui en dépassaient. C'est un jardin de paradis. Il était gardé par des anges furieux aux épées de feu. Mais cela ne nous empêchait pas, moi et d'autres garçons, d'atteindre l'arbre de vie. Et maintenant, vous me méprisez. Oh, voler des pommes, tous les gamins le font, n'est-ce pas ? Coupez !